Thierry Haim, fondateur de la marque Céramique. Voilà, bon, la voilà, marque Céramique est de plus en plus connue. Expliquez-nous. Eh bien, c'est un procédé spécifique breveté d'application de céramique sur le tissu par impression, qui a pour fonction d'apporter une thermorégulation et des effets physiologiques très intéressants sur l'équilibre, sur la stabilité. Et surtout sur le confort de l'athlète, voilà, vous avez vu, dans la pratique ou, et surtout en récupération. On peut sur 30 km. Quels sont les athlètes vosgiens les plus connus qui sont équipés en céramique? Les plus connus sont Mathieu Péché, Gauthier Clos, Encadré Gréac, Mathieu Biazizo également, Christophe Bétard, Francis Perry et Johan Matisse en triathlon. On a Stéphane Brognard. Steph Brognard, bien sûr. Et puis Max Aert et toute l'équipe de France de combiné nordique en ski. Voilà. Bon, là, c'était le Trail des Brosses qui conclut un peu la saison, mais vous réattaquez sur le ski, c'est ça? Vous êtes très présent? On va aller voir un peu les Coupes du Monde de ski, oui. Ski combiné nordique et ski alpin dans les semaines qui arrivent. Voilà, ça arrive, ça arrive. Vous êtes basé à Gérardmer, hein, mais ça vous arrive de bouger sur des compétitions dans les Alpes ou autre? On a fait cette année Maxi Race, TMB, et puis le Trail des Templiers à Millau. Est-ce que vous développez d'autres technologies? Est-ce qu'il y a d'autres innovations dans un coin de votre tête? Voilà, pour l'instant, c'est d'étoffer les gammes avec d'autres produits en deuxième couche et en couche de protection. Parce que pour l'instant, on délaisse un peu le 22. Pour l'instant. Alors, vous nous confirmez que c'est une activité qui a le vent en poupe. Il y a de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de sportifs qui s'équipent avec des matériaux de haute technologie comme ça. Ça envoie encore jusqu'à la fin. On voit que en démarrant, en développant avec, je dirais, le haut de la pyramide, avec Céline, on y va jusqu'à la fin. Le sportif amateur, puisque on est vraiment sur une notion de confort et c'est quand même fondamental, je dirais, pour la pratique de sport, de sentir bien dans ses fringues, dans ses baskets. Sur un parcours de 13 km, comment vous les séduisez? Quels sont vos arguments? Vous parlez d'amélioration de performance, expliquez-nous. En fait, généralement, tu veux essayer, prends une tenue, va essayer, puis tu me diras ce que tu en penses. J'insiste pas trop sur les propriétés du produit, mais en général, c'est les gens essayent, jusqu'à la fin. C'est un peu la marque. Votre temps là sur le côté.